aider les muséomixeurs, donc répondre à leurs questions. Donc j'ai apporté les documents que j'ai estimé être en lien avec le terrain de jeu. Et j'ai préparé aussi en amont des petits dossiers, voilà, auxquels ils peuvent accéder avec plein de photos, de la documentation, facilement, enfin grand public, et les fiches de nos objets. Comme ça, ils connaissent un petit peu les datations, ils ont toutes les infos. Donc voilà. Ce qu'on conçoit, il y a tous les outils qui permettent de passer de ce qu'on a dans la tête à la réalité. On est en train de créer un support pour un gladiateur qui est à côté, c'est un gladiateur en bois, et pour l'utiliser, le manipuler, on en fabrique tout ce qui permettra d'avoir du visuel. Moi je suis menuisier, donc du coup je vais commencer à fabriquer la structure pour tenir le gladiateur et les éléments qu'il y a pour faire tourner le gladiateur. Alors moi je m'appelle Mathis, nous on s'occupe des impressions 3D. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir plusieurs pièces du musée, comme par exemple ici Antonia, qui est un grand buste de 2,50 m qui est au sein du musée. Ce qu'on a dû faire, c'est scanner le buste entier. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 150 photos environ de la pièce, et on a envoyé tout ça dans l'impression, et donc ça a pris 3 heures d'imprimer une pièce comme ceci. Et donc ça correspond au trophée des muséomixeurs qui sera remis dimanche lors de la remise des prix. Et aussi on peut servir si des muséomixeurs ont besoin de nous pour leur projet, ils peuvent s'appuyer sur nous et avoir des impressions pour réaliser leur projet. Alors bonjour, je m'appelle Rémi, donc je suis au lycée des Eucalyptus à Nice. Donc nous on a installé une caméra sur le balcon du musée Matisse pour avoir un accès visuel sur quasiment tout le site archéologique des thermes. Et donc avec cette caméra qui est dotée d'un zoom x20, on va pouvoir aller fixer un endroit spécifique du site. Comme par exemple on pourra aller voir, on peut aller voir directement un endroit où en fait on a caché des petites statuettes. Pour faire jouer le visiteur, pour qu'il trouve avec nos indications sur le site et qu'il sache à quoi servaient les différentes salles. Par exemple, celle qui est cachée à côté des latrines, nous leur donnerons un petit logo qui a été fait donc, par l'imprimante 3D qui est juste avant, avec notre petit logo des eucalyptus donc, qui a été fait à notre lycée. Oui, c'est le Memento Mori. D'ailleurs, ça me fait penser, ça me revient, le film d'hier, dont on avait parlé au sujet de cette histoire de fesses, là. C'est Short Bus. Donc ça m'est bien revenu, faut absolument le voir. Vous l'avez pas vu?